Que dirais-tu pour te détendre de jouer à un jeu? Que penses-tu de cette partie?
un soir d'Halloween. Bouh. Salut à tous, et surtout, joyeux Halloween. Bon, par contre, on va faire la vidéo sans la bougie, parce que là, j'en ai marre d'avoir de la cire sur les mains, hein. Mais avant toute chose, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Halloween. J'espère que cette petite intro vous aura permis de bien vous mettre dans l'ambiance. Vous l'avez deviné, cette fois-ci, je ne vais pas vous parler d'un jeu de rôle horrifique, mais bien d'un jeu de société avec le même thème. Il s'agit de The Night Cage, aussi connu en France sous le nom de Piège Obscur. Il s'agit d'un jeu de placement de tuiles pour 1 à 5 joueurs, développé par Roswell Sanders, Chris McMahon et Chris Chan, et il a été illustré brillamment par ce dernier. Pour l'édition dans les pays francophones, nous la devons à Yellow, qui a été jusqu'à ternir le jaune de son logo si vivant. Lorsque vous ouvrez pour la première fois les règles du jeu, vous êtes accueilli avec ces mots. À votre réveil, vous découvrez que vous êtes plongé dans les ténèbres, visiblement enfermé dans un labyrinthe. Les couloirs de pierres saillantes sont si étroits qu'ils vous obligent à ramper, les parois griffant votre peau à chaque mouvement. Vous n'avez sur vous qu'une bougie, dont la lueur éclaire uniquement les proches environs. Vous remarquez vite la présence d'autres prisonniers. Vous devrez impérativement coopérer pour explorer ce dédale et espérer vous en échapper. Vous l'aurez compris, avant même de parler ici du gameplay, il y a une vraie aura horrifique qui se dégage du jeu en lui-même. Cela passe par les textes d'ambiance comme vous venez de l'écouter, la musique aussi que je diffuse sur cette vidéo depuis le début, mais aussi par son matériel et surtout par ses illustrations. Et croyez-moi, le jeu en lui-même, de par son challenge, va venir sublimer tous ces aspects. Quand vous êtes de 1 à 4 joueurs et joueuses, vous contrôlez dans tous les cas 4 prisonniers en même temps. Vous pouvez les disposer de la manière dont vous le souhaitez sur le labyrinthe. À votre tour, c'est assez simple. Vous devez choisir entre deux actions. Rester sur place ou avancer d'une tuile. Enfin, simple, je vais quand même vous rappeler qu'on ne se trouve pas dans l'attraction d'été d'un champ de maïs, mais bien dans un piège qui répond à ses propres lois. Et votre seul moyen de défense est une maigre bougie. Cette dernière va permettre à votre prisonnier de naviguer dans le labyrinthe sans être absorbé directement par les ténèbres. Attention néanmoins, sa flamme est plus que vacillante. Elle ne pourra éclairer que les tuiles adjacentes à celles où vous vous trouvez. Et malheureusement, les tuiles qui ne seront plus éclairées, elles, disparaîtront dans les ténèbres. Elles seront tout simplement défaussées du plateau et ne reviendront jamais en jeu. Quant aux nouvelles salles que vous découvrirez, elles viennent de tuiles venant d'une tour, représentant elle-même la bougie. Vous l'aurez compris, cette tour représente le temps qu'il vous reste à passer dans le labyrinthe avant d'être avalé par les ténèbres. Et croyez-moi, vous allez très vite commencer à compter combien de tuiles il vous reste. De même, la cage n'a pas de limite. Ce qui veut dire que si jamais vous éclairez un bord du plateau, vous ne faites que faire apparaître une nouvelle tuile à l'autre extrémité de celle-ci. Bien sûr, durant votre prochain tour, vous pourrez même y déplacer votre prisonnier. Dernier petit avertissement, tous les couloirs de ce dédale sont étroits. Vous ne pourrez malheureusement circuler qu'un prisonnier à la fois. Maintenant, si ce n'était que ça, un peu de jugeote et de concertation entre les joueurs et les joueuses suffirait largement pour pouvoir sortir de ce dernier. Mais votre lumière va surtout déranger les habitants des ténèbres. Les créatures que vous allez rencontrer les plus fréquemment sont les mangeurs de cire. Ces derniers se cachent parmi les tuiles de votre tour et peuvent être donc révélés à chaque mouvement. Quand il est sur le plateau, n'importe quel mouvement d'un prisonnier dans son champ de vision suffit à déclencher son attaque. Et celle-ci est sans pitié. La créature attaque des quatre côtés, verticalement et horizontalement, et peut parcourir tout le labyrinthe tant qu'il y a une route. Si l'un de vos prisonniers est pris dans son attaque, vous allez devoir défausser 3 tuiles directement depuis la tour, ainsi que, et c'est là l'aspect le plus terrible, éteindre la bougie du prisonnier. Un prisonnier avec une bougie éteinte panique. Vous ne pourrez plus durant votre tour rester sur place et vous ne voyez pas où vous allez. C'est-à-dire que chaque déplacement se fait à l'aveugle. Vous tirez la tuile au moment du déplacement et ne voyez pas ce qu'il se passe autour. Autant vous dire qu'une autre attaque est tout aussi possible. Heureusement pour vous, il vous suffira d'être sur la tuile adjacente à l'un de vos comparses prisonniers pour que l'espoir se rallume. Et surtout votre bougie. Les mangeurs de cire ne seront pas les seuls obstacles que vous allez rencontrer dans ce labyrinthe, car ce dernier semble très ancien. Très, très ancien.
et mal entretenu. En fait, sur certaines des tuiles, vous allez voir des fissures. Si vous restez sur celle-ci ou après votre passage, vous allez devoir retourner la tuile qui va montrer un gouffre. Gouffre qui vous invite à la chute. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, vous allez l'accueillir parfois cette chute. En effet, une chute pourrait vous permettre d'éviter l'attaque d'un mangeur de cire, et surtout, elle ne représente pas la fin. En effet, si vous tombez dans un gouffre, vous avez le choix de réapparaître sur la ligne ou la colonne où se trouvait la tuile avec le gouffre, à l'endroit où vous souhaitez. Cela permet un petit peu de relancer sa chance en soi. Mais gardez à l'esprit deux choses. La première étant que toutes les tuiles que vous avez laissées derrière vous vont être défaussées. Aussi, vous pouvez très bien réapparaître sur un autre monstre et déclencher ainsi son attaque. Cependant, je vous rassure, ces tourments ne sont pas en vain. Il y a bien une manière de sortir du piège obscur. Pour cela, chacun des prisonniers va devoir se retrouver sur une tuile clé. Celle-ci vous permet d'avoir l'item correspondant. Ensuite, vous allez devoir vous retrouver sur la seule tuile où tous les prisonniers peuvent être en même temps dessus, la tuile porte. Attention bien sûr, il n'y a qu'un certain nombre de ces tuiles clés et de ces tuiles portes dans votre tour. Alors, si jamais vous devez tous les défausser, vous risquez de perdre la partie. C'est uniquement en regroupant tous les prisonniers, chacun avec leur clé, sur cette tuile porte, que vous allez pouvoir enfin vous échapper. Malheureusement, je vous parle de cette tour à tuiles depuis tout à l'heure, et elle représente bien une fatalité. Votre bougie, elle, n'est pas éternelle. Si vous venez à prendre ou à défausser les dernières tuiles de celle-ci, vous entrez dans les dernières lueurs. Vous pouvez toujours vous déplacer parmi les tuiles restantes, mais gardez à l'esprit qu'à chaque fin de tour d'un prisonnier, vous allez devoir défausser une tuile supplémentaire, même si celle-ci est éclairée. Et là, vient les fins de partie. Si vous tombez dans un gouffre alors qu'il n'y a plus de tuiles dans la tour, vous avez perdu. Et bien entendu, si l'un d'entre vous n'arrive pas à rejoindre la porte à temps ou n'a pas pris la clé, vous avez perdu. Vous resterez prisonnier à jamais des ténèbres du piège obscur. Bon, il me resterait encore quelques détails à vous donner, notamment l'utilisation des jetons en cran qui vous permettrait de bloquer certaines attaques ou de pouvoir faire un mouvement supplémentaire. Cependant, avec les éléments que vous avez actuellement, je pense que vous avez une bonne idée de l'ambiance qu'il peut y avoir autour de la table. Maintenant, si vous êtes brave et de nature aventureux ou aventureuse, il y a bien d'autres périls dans la boîte que vous pouvez rajouter. Commençons par les gardiens. Ce sont des monstres qui gardent jalousement les clés dont vous avez besoin. Et il va vous falloir être très discret afin de pouvoir le leur dérober sans déclencher leur attaque. Je peux aussi vous parler des démons des gouffres qui ont faim des tuiles sur le plateau. Ou alors encore de l'impasse qui, elle, va directement les prendre depuis votre tour. Il me faut enfin vous parler de l'hymne funèbre et de ses augures. Cet immense regard menaçant qui peut apparaître sur votre plateau et y laisser un gouffre immense, limitant directement vos déplacements. Enfin, si on doit vraiment énumérer tous les dangers de la Night Cage, je dois vous parler de la chose qui se cache au fond du gouffre. En effet, au moment où sortira cette vidéo, un Kickstarter sera tout juste terminé proposant la première extension du jeu, Shrieking Hollow. Celle-ci va modifier certaines mécaniques. Votre prisonnier, en tombant dans un gouffre, va atterrir dans un autre labyrinthe où sa bougie pourra l'aider à repousser un monstre qui s'appelle la Chose. Ce monstre est gigantesque et va essayer de sortir de ce premier labyrinthe afin ensuite d'avaler plus de la moitié des tuiles qui se trouvent dans le labyrinthe principal. Il est donc d'intérêt que vous arrivez à freiner sa progression. En tant que jeu, Piège Obscur remplit très bien son office. C'est un jeu de coopération qui se veut assez accessible et qui propose vraiment des situations tendues où toute votre attention sera sollicitée. Cependant, les surprises qu'il pourrait réserver en bien, il les réserve aussi en mal. Comprenez que l'aspect aléatoire du jeu peut influencer grandement votre partie. Certaines d'entre elles pourront très vite se terminer, car vos prisonniers vont très vite trouver les clés et la tuile porte correspondante, ou au contraire, vous pouvez vous retrouver en deux tours de jeu encerclés d'ennemis avec juste quelques tuiles restant dans votre tour. De ce fait, les personnes plus expertes pourraient être un petit peu rebutées en pensant que le jeu est un petit peu trop simpliste, et les débutants pourraient le trouver au contraire beaucoup trop injuste.
Sans compter qu'au final, il n'y a pas de mécanique propre pour limiter cet effet de l'aléatoire, ou même pour limiter l'effet du joueur alpha. Le joueur ou joueuse alpha étant la personne qui va finir par prendre les décisions pour tout le monde autour de la table. Cependant, avec des gens qui, excusez-moi l'expression, jouent le jeu, et surtout une tour bien équilibrée, ce que vous pouvez aussi essayer de limiter en préparant les tuiles qui vont se trouver dans cette dernière de manière correcte avant de commencer la partie, vous allez vraiment avoir de très grandes sensations dedans. Et là, je dois vous faire une petite révélation. Cette vidéo a bien failli ne pas voir le jour. Bon, pas forcément à cause d'un problème de timing, même si je ne doute pas que dès que j'aurai terminé le tournage, je vais rusher comme un malade pour la sortir pour Halloween, mais surtout parce qu'au départ, je ne voyais pas vraiment l'intérêt. Je voulais faire une autre vidéo d'Halloween en parlant d'un jeu de société déjà depuis l'année dernière, après avoir terminé la précédente. Cependant, et pour rien vous cacher, j'avais déjà en tête de parler de Piège Obscur à ce moment-là, mais je me suis très vite heurté à une question essentielle. Est-ce qu'on peut avoir peur avec un jeu de société? Je vous explique, et cela n'engage que moi, mais ma conception de l'horreur vient que c'est avant tout une extension du genre du fantastique, c'est-à-dire un genre où on va présenter quelque chose d'inconnu ou de surréel par rapport à notre quotidien ou au monde que l'on connaît. Dans le genre horrifique, cela est poussé plus loin avec des choses menaçantes, que ça soit une entité quasi invincible qui vous veut du mal, ou un univers où vous sentez très clairement que vous n'avez pas votre place. Mais surtout, et je pense que c'est le plus important, c'est le fait d'être face à l'inconnu. Un inconnu qui vous regarde, un inconnu qui vous questionne. Et le problème, c'est que le jeu de société n'aime pas l'inconnu. En effet, on parle quand même d'un médium dans lequel tous les participants et participantes ont censé avoir lu les règles du jeu avant. Donc, même avec un petit peu d'aléatoire, c'est dur de ne pas prévoir ce qu'il va arriver. Heureusement, en septembre, je suis tombé sur la vidéo d'un certain Spice Aitrak qui s'est posé exactement la même question que moi. À une différence près, il en a fait une vidéo de 2 heures en regardant plusieurs jeux de société, en se posant ses propres réflexions, mais aussi des réflexions d'autres auteurs, auteureux et autrices. C'est une vidéo très complète, avec beaucoup d'humour, que je vous conseille de regarder, même si elle est que en anglais, mais je vous rassure, il y a pas mal de petites pointes d'humour qui vont vous aider dans le visionnage. En tout cas, quelque chose que j'ai retenu de sa vidéo, c'est qu'il pose 3 conditions pour qu'un jeu soit considéré comme horrifique. La première, et qu'il y ait une vraie distinction entre les joueurs-joueuses et le monstre étant la menace globale. C'est-à-dire, dans ce cas-là, que les joueurs et les joueuses ne peuvent pas incarner le dit monstre, ce dernier étant forcément le jeu. Le deuxième point étant qu'il y ait une vraie asymétrie entre les deux. Le monstre ne va pas répondre aux mêmes contraintes que les personnages qu'incarnent les joueurs et les joueuses. Et enfin, il doit se passer quelque chose entre les tours de jeu qui permet de relancer un petit peu l'intérêt, de relancer un petit peu la surprise, et très souvent en détruisant le semblant de plan ou de sécurité que vous pouvez avoir à un moment donné durant votre partie. Et pour lui, Piège Obscur répond le mieux à ces différentes questions. Je dis bien le mieux parce que, comme je l'ai signifié précédemment, le jeu n'est pas sans défaut. Et il faut bien comprendre aussi quelque chose, la notion d'horreur dépend essentiellement des personnes. Pour ma part, quand j'ai essayé le jeu avec ma joueuse habituelle, je dois dire que j'ai eu une goutte de sueur à chaque déplacement, me demandant si je n'allais pas être prisonnier d'une entité maléfique. Quant à elle, par contre, elle s'amusait avec les éléments qui étaient censés être les plus menaçants du jeu, ou prenait des photos des chats entre les tours de jeu. Oui, moi aussi je t'aime beaucoup ma chérie. Malgré tout cela, je pense que Piège Obscur est à la fois un excellent jeu et à la fois le premier jeu que je sortirai à Halloween ou dans n'importe quelle autre situation où j'aimerais mettre une ambiance vraiment horrifique. Son gameplay fonctionne très bien, ses situations sont tendues et il reste assez accessible pour la plupart des joueurs et des joueuses. Il faut dire qu'entre les yeux vides et implorants de nos prisonniers, des formes cauchemardesques pouvant surgir des tuiles, ou même des sons étouffés et angoissants venant de la bande-son, il y a de quoi avoir quelques frissons. Et j'aime à penser qu'après une partie, vous ne regarderez plus
le couloir obscur chez vous de la même manière, vous demandant qu'est-ce qui peut s'y cacher. Si la vidéo vous a plu, likez, commentez et partagez-la. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très bonne partie. Et surtout, joyeux Halloween!